Welcome. Bonjour. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. You're listening to the Dirty Feet podcast on the No More Radio network. Nous sommes vos animateurs et animatrices. We are your hosts, Allison Burns, JD Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Listen in. Écoutez. We're gonna move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit la chorégraphe Kim Sancho qui a présenté la pièce Black and Scholes 1973. J'espère bien l'avoir prononcé. C'était dans le cadre de Quartier Danse, le festival Quartier Danse qui était du 9 au 20 septembre 2015. Elle présentait dans le cadre du spectacle Hybridité et Émergence volet 1. Donc une soirée partagée avec Cathy Bélanger et Sébastien Provencher. C'était présenté à la Maison Théâtre le 13 septembre. Malheureusement, on n'avait pas eu l'occasion de l'interviewer avant la présentation de la pièce. Mais on a décidé, puisque vous en avez déjà parlé en temps, dans un autre contexte, de la recevoir pour discuter un peu de son travail. Donc, Kim San, en fait, elle travaille pour le 303. Je te laisse te présenter, en fait. Donc, qu'est-ce que tu fais pour le 303, Kim San? Donc en fait moi c'est ma troisième année au studio 303, puis je suis directrice pour communication et l'administration. Et en plus de ça, en parallèle, tu travailles à la maîtrise à l'UQAM en danse, c'est ça? Oui, donc j'essaye de finir ma maîtrise en danse, fait que ouais. Et c'est à quel niveau? Est-ce que c'est recherche et création ou recherche? Non, je serai en recherche et puis je fais une recherche sur la théorie du chaos qui est comme liée à ce projet-là aussi que j'ai présenté. En fait, ça me ramène... D'abord, on va parler de ton parcours parce que tu as un parcours qui sort un petit peu des sentiers battus de plusieurs gens dans le milieu. Originellement, tu viens du milieu des finances. Donc, parle-nous un peu de tes études que tu avais fait auparavant et ce qui t'a amené vers la danse. En fait, moi, j'ai fait un bac en commerce international et une maîtrise en finance. Puis après, j'ai vécu, j'étais à Paris pendant un moment où j'ai travaillé en milieu corporatif, dans le conseil, pour être plus précise. Puis dans le fond, en fait, j'ai toujours fait de la danse en parallèle et à l'époque, donc je devais avoir 23, 24, quelque chose comme ça. Je m'intéressais de plus en plus à la danse, puis notamment à l'histoire de la danse contemporaine. Et j'ai fait une licence de danse à l'université Paris 8. Ouais, donc c'est l'équivalent du bac. Et puis, comme en fait Paris 8 avait un échange avec l'UQAM, puis c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'UQAM, puis du programme de la maîtrise qu'il y avait ici. Et du coup, je suis venue comme à l'âge de 25 ans, fait que ça fait 3 ans maintenant. Et de ces expériences-là en finance, en fait, cette pièce-là dont on parle aujourd'hui, Black and Scholes 1973, ça a été vraiment la genèse de ce projet-là, en fait. Un certain moment, un certain apprentissage que tu avais fait dans le programme en finance qui a un peu amené à la création de cette pièce-là. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui t'a amené à créer cette pièce-là spécifiquement, s'il te plaît? En fait, quand j'ai fait pour mon mémoire en finance, en fait, je travaillais déjà sur les questions de prévision, de chaos, comme c'était déjà des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Moi, j'aimais travailler avec beaucoup de données, puis comment tu structures tout ça, quel sens tu donnes à des informations. Et puis, en fait, assez naturellement, pour ma maîtrise en danse, je me suis intéressée au chaos, mais plus dans le corps ou bien dans l'espace. La pièce Black and Scholes 1973, elle est très liée aussi au visuel. Comme dans le fond, c'est comme... Il y a comme une animation qui défile en même temps que les danseurs bougent. Fait que, comme, en fait, l'animation, pour moi, ça fonctionne comme une partition. Et puis, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc, tu disais, en fait, ça avec la partition qui défile à l'écran. Ouais. Donc, au niveau de cette relation-là, en fait, que tu crées entre
la partition à l'écran et la partition sur scène. Oui. Oui, alors oui, pardon. Ta question, c'était le rapport entre, entre mes études en finance et cette pièce. Oui, donc, en fait, dans la pièce Black and Shoes, donc, qui est en rapport, du coup, avec un visuel qui est quand même très présent, l'idée, en fait, pour moi, c'est la même. C'est vraiment comment tu construis une structure, comment cette structure-là peut exploser. Comment tu perds aussi le contrôle, tu vois, fait que comme chorégraphiquement ça va se traduire par des séquences qui sont comme vraiment structurées, puis à un moment donné tu pars dans une improvisation, et puis c'est aussi le flou qu'il y a entre les deux, tu vois, c'est les transitions aussi qui m'intéressent, fait que par exemple pour moi si tu fais ta séquence et que tu te trompes en partant vers autre chose, ou que tu tombes, ou peu importe. Comme ça fait partie aussi du travail, puis c'est aussi des choses qui m'intéressent. Mais toute l'idée, en fait, c'est pas tant le chaos, c'est vraiment plus la structure et l'imprévisible, en fait, qui m'intéresse. Et dans le fond, cette pièce-là, elle est liée à mon parcours en finance, parce que c'est sûr que... Il y a un côté très cartésien dans la façon dont c'est construit et dans l'intérêt aussi. Et Black and Shoes, en fait, le titre, Black and Shoes 1973, c'est quelque chose de très spécifique au milieu des finances. En fait, c'est un petit peu une inside joke pour toi avec le milieu des finances. Donc, d'où ça vient exactement pour les gens qui n'ont aucune connaissance de tout ce qui est mathématique du genre? En fait, Black and Shoes, c'est... C'est un modèle mathématique et financier, donc c'est un modèle qui date de 1973. Black and Scholes sont les auteurs qui ont reçu un prix Nobel en 97. C'est un modèle qui est toujours utilisé. En fait, comme j'ai choisi ce titre de pièce parce que déjà comme leur propos, en fait, comme une fois que tu passes tout l'aspect technique de la finance, leur propos c'est de calculer, de pouvoir prédire en fait l'imprévisible, tu vois, c'est de pouvoir estimer l'imprévisible, fait que comme il y a vraiment un rapport concret avec la pièce, et puis pour moi aussi c'est comme en fait ça réfère dans ma vie à cette période où j'étais en études. Donc moi j'ai fait ma maîtrise en finance au Danemark, puis c'était une période très dure de ma vie, et c'est ça, comme pour moi ça cristallise vraiment cette période là puis comme l'idée aussi pour moi c'était vraiment à partir de cette période qui était difficile, puis ce titre qui vient symboliser cette période, c'est aussi de transformer cet événement-là de ma vie, puis comme vraiment je voulais en faire quelque chose de positif et quelque chose que j'aime, quelque chose de beau, puis quelque chose en danse. Fait que c'est ça le lien de l'histoire, du titre. Et bon, là, tu fais ta maîtrise en ce moment, tu travailles pour une organisation telle que le 303, donc ça fait tout de même un certain temps que tu as un pied à terre dans le milieu de la danse montréalaise, mais... C'est la première grande production, présentation que tu as faite d'un théâtre officiel, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'était une très belle expérience. C'était la première fois, du coup, que je présentais dans un théâtre et que je dansais aussi. Fait que c'était comme doublement difficile, mais très riche. Et j'ai trouvé ça très bien aussi d'avoir la chance aussi, via Quartier Danse, de pouvoir... Je trouve ça super, en fait, qu'ils permettent à des gens comme moi qui n'ont jamais présenté dans un vrai contexte professionnel, de justement pouvoir avoir cette expérience-là en théâtre. Et puis, ça n'a rien à voir avec les fois où tu présentes, comme si tu fais des présentations informelles ou ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça super riche comme expérience. Puis en même temps, tu vois, ils m'ont pas mis la pression sur ce que je devais rendre, etc. Comme j'ai trouvé qu'on était vraiment... Moi, je me suis sentie vraiment libre dans le processus. Puis, tu sais, comme je me suis sentie accompagnée aussi. Fait que c'était très... c'était vraiment très positif comme expérience de vie. Mais tu avais eu tout de même des expériences de création auparavant. Ouais. N'est-ce pas? Oui, alors... oui, alors j'avais des expériences de création, mais dans le fond, comme en fait,
la façon dont je fonctionne, c'est que c'est vraiment comme... Je vais faire des petites présentations. Je vais présenter un peu du travail en cours, etc. Je vais comme collaborer avec différents danseurs. Je vais tester plusieurs affaires, mais en tête, j'ai toujours comme un seul et même projet. C'est que tout ce que j'ai fait l'année passée, en fait, était toujours lié à cette pièce. Comme j'ai fait beaucoup de... J'ai beaucoup travaillé avec la vidéo, et la vidéo projection. Puis j'ai fait des choses qui fonctionnaient, puis des choses qui fonctionnaient pas du tout. Fait qu'il y a des affaires qu'on n'a pas, que j'ai pas conservées. Mais par contre, c'est sûr que pour moi, c'était toujours des éléments qui allaient venir intégrer cette pièce-là au final. Et concernant cette vidéo-là, en fait, c'est quoi cette vidéo-là que tu présentais? Donc tu disais que c'est une partition, mais comment est-ce qu'elle a été créée? Ah. Tu peux nous décrire un peu le visuel mm-hmm. de la vidéo? En fait, le visuel, c'est du dessin à la main que je fais moi-même. C'est à 90% noir et blanc, c'est des triangles, c'est comme ça. Puis j'en fais des séries de comme j'en ai je sais pas combien et en fait je les scanne et je les monte derrière en vidéo mais elles sont très peu comme sur la fin du processus je suis toujours obligée de les retoucher pour les démultiplier parce qu'à la fin comme je crois que j'en ai comme 1600 quelque chose comme ça enfin c'est vraiment du gros travail ça prend énormément de temps mais en fait, voilà, ce sont des dessins qui sont montés en animation. Et dedans, j'ai aussi intégré de la vidéo. Et c'est pour ça aussi que je suis soutenue par un vidéographe, puis j'ai une résidence avec Lemay et Prime, qui fait de la vidéo. Donc il y a aussi il y a cet aspect-là aussi du visuel qui est très important pour moi, comme... En tout cas, je viens d'une famille où il y a beaucoup d'artistes visuels, puis c'est comme quelque chose de très présent. Mmh. Et c'est drôle parce que, en fait, comme moi, je prends pas beaucoup de plaisir à travailler avec de la vidéoprojection parce que je trouve ça toujours très très contraignant techniquement. Mais par contre, je suis pas capable de faire quelque chose sans visuel. Mmh. Comme le processus de mouvement fonctionne pas. Il faut qu'il y ait un élément visuel. Et est-ce que tu as commencé à travailler avec un peu plus au niveau des décors, des costumes, pour amener ce visuel-là hors de l'écran et un peu plus sur scène aussi? Alors, en fait, là, dans la version qu'on a présentée pour Quartier Danse dimanche, en fait, tu avais comme deux sections. La première, c'est un solo qui est interprété par Raquel Lanzinet. Et la seconde section, là, on est quatre danseurs, puis là, tu as comme vraiment le gros visuel tout le long. La première section de Raquel, c'est vraiment un solo avec pas de visuel, pas de musique, tu sais, genre juste un spot de lumière. Puis elle porte comme une longue jupe, c'est comme très très sombre. Puis comme je voulais vraiment casser avec le reste de la pièce, où c'est beaucoup beaucoup d'images, beaucoup de musique. Fait que c'est ça. C'était ça ta question. Et au niveau du mouvement, parce que c'est tout le temps difficile qu'on parle du mouvement dans une pièce, de le décrire en fait, d'un peu donner une image, une impression de quoi a l'air les corps qui s'animent sur scène. Qu'est-ce que tu dirais en fait pour parler du mouvement que tu présentes en tant que chorégraphe? En fait, dans cette pièce-là en particulier, tu as des... Pour moi, c'était important de créer des sections qui soient comme, tu sais, où les quatre danseurs, comme vraiment, on est tous ensemble, puis t'as vraiment un son qui est fort, qui est aussi sonore, ce qu'on va taper au sol, etc. Puis comme, où vraiment, il y a comme une cohésion des corps, fait qu'on a créé comme des refrains. Et ensuite, comme, moi, je suis vraiment... obsédée par cette idée de structure, puis de réutiliser, d'avoir un rappel, comme de créer un mouvement, puis d'avoir un rappel plus tard du même mouvement, mais tu vois, comme dans un autre contexte. Fait que de la première section, t'as des mouvements qui sont repris dans la deuxième section et dans la vidéo. Et comme pour moi, c'est ça, comme la base en tout cas de cette pièce-là, c'était vraiment les refrains. Et c'était intéressant parce que, à la fois, comme j'étais toujours un peu tiraillée parce que je cherche toujours comme un unisson vraiment
parfait. Puis en même temps, tu vois, j'ai quand même envie que chaque danseur... là, on était vraiment comme avec des personnalités vraiment différentes, des corps différents, des parcours différents. Tu vois, Raquel, elle est plus comme balétique. Puis comme... En tout cas, on était vraiment tous différents. Et du coup, voilà, c'est ça. Je suis toujours tiraillée par ce truc où je veux qu'on y aille, comme qu'on soit tous ensemble. Et puis en même temps, qui est aussi la personnalité de chacun qui transparaisse à travers ce mouvement-là. Fait que tu avais des sections où, comme, tu vois, on faisait le même mouvement, mais tu sais, où on se laissait aussi un peu. C'est comme une certaine ouverture aussi à sa propre gestuelle, sa propre façon de bouger. Et pour moi, ça vient. C'est comme. C'est ça aussi le chaos, tu vois. C'est comme... Parce que, tu sais, le chaos, en fait, tu peux le retrouver dans tout et n'importe quoi. Typiquement, tu sais, on en parle beaucoup dans la météo, sur les marchés financiers, etc. Comment... Mais dans le corps, c'est très fort, tu vois. Comme tu peux très bien apprendre aux gens une structure qui est vraiment comme synchro, puis vraiment à l'identique, etc. Mais tu as toujours, tu vois, cette gestuelle qui est propre à chacun, tu vois. Et comme... Et pour moi, ça fait partie du chaos aussi. Tu vois, c'est comme à quel moment tu dévies, à quel moment comme tu veux vraiment comme avoir la choré parfaitement dans le corps, puis à quel moment en fait ton propre corps va reprendre le dessus sur la séquence. Et est-ce que tu dirais d'une certaine façon, en allant chercher des corps, des personnalités, des danseurs, des interprètes aussi disparates, que c'est une façon d'amener cette théorie-là de Black and Scholes à l'intérieur du processus créatif, un peu d'essayer de rein in, d'aller chercher, d'aller agripper un peu tous les éléments chaotiques pour en faire quelque chose d'uni. Mais tu sais, comme en fait, donc on était quatre. Donc t'avais Maud Laurent, avec qui je travaille depuis longtemps. T'avais Raquel Lanzinec qui est donc elle a fait le SBQ, et puis t'as Nicolas Patrick qui est vraiment danse contemporaine. Et puis comme tu vois, à la base, quand j'ai commencé à chercher des danseurs, bah avec Maud on travaille depuis longtemps ensemble, fait que c'était sûr que j'allais lui demander de le faire avec moi. Mais pour Raquel et Nicolas, c'est des gens que j'ai choisi, puis à qui j'ai demandé de participer. Puis au début, je cherchais pas forcément des corps identiques ou des corps vraiment différents. Ça s'est plutôt fait parce que, comme en fait, c'était des gens que je trouvais à la fois beaux et touchants de voir danser, comme tu sais, que j'avais vu. Puis j'étais comme ah, c'est ça. Puis en fait, bon, il se trouve qu'on avait tous des corps super différents et finalement, c'est venu, c'est comme c'est venu ensuite cette réalisation que comme ok, tu sais, on a des corps différents, puis on va, tu sais, comme on va englober ça, on va le prendre et puis l'intégrer à la pièce, et je pense que ça, tu sais, ça mériterait d'être encore poussé, puis il y a encore du potentiel là-dedans. Mais justement, tu vas avoir l'occasion de continuer cette pièce là parce que tu me disais avant l'interview que tu vas avoir une résidence au Mai bientôt. En fait, donc c'est un partenariat entre le Mai et Prime. Donc Prime, c'est production et réalisation indépendante de Montréal. Donc eux, c'est vraiment de la vidéo, fait qu'ils ont un partenariat en fait pour les artistes qui utilisent le mouvement et le visuel. Puis bon, là, c'est en général, c'est plutôt des installations qu'ils ont. Puis là, nous, c'est la première fois qu'ils accueillent des résidents, mais plutôt dans ce performance. Fait que ça va être une première pour eux et puis pour moi. Mais dans le fond, comme oui, on va représenter. Donc, on va faire la résidence comme automne-hiver avec Prime. Et derrière, on présente au Mai. Et ça va être le 20 février. Puis là, ça va être... On va le faire sur 30-40 minutes, je pense. Et puis, moi, je trouve ça super parce que ça, comme pour moi, le Mai, c'est vraiment un endroit où j'avais envie de pouvoir travailler. J'aime beaucoup leur espace et tu sais aussi leur... comment dire, tu sais aussi leur éthique, mais pas, je parle pas de leur mandat, je parle vraiment aussi de la façon dont ils travaillent. Fait que ça faisait vraiment longtemps que ça m'intéressait. Et puis là, ça va être vraiment comme... Du coup, je suis pas artiste de saison. Fait que nous, on présente juste un soir, tu sais, ça va être gratuit, ça va être plus informel, etc. Puis, tu sais, il y a comme...
et ils soutiennent beaucoup aussi ce projet-là, parce que je trouve ça difficile, comme c'est pour moi, c'est vraiment mes premières fois de présenter dans des vraies salles. Et puis c'est ça, comme je pense qu'ils l'ont bien senti, puis c'est comme, en tout cas je me sens vraiment soutenue, puis accompagnée, et aussi comme, tu sais, genre ils ont conscience de ça, puis tu vois, comme quand il y a des choses qui vont me stresser ou qui me font peur, bah tu sais, je leur dis, puis tu sais, j'ai pas vraiment de gêne. Mm-hmm. Donc ça, c'est super agréable. Et pour ce vidéo-là, en fait, est-ce que c'est toi qui l'as écrit au complet? Est-ce que tu as des collaborateurs qui t'ont aidé avec l'aspect vidéo? Non, en fait, cette vidéo, elle a été réalisée par Ray Levers. Je voulais que ça soit près de l'océan, fait qu'on est parti. Puis comme, et pour, en fait, comme il y a une référence à l'océan dans cette pièce-là, qui est vraiment, pour moi, c'est là aussi où tout commence et tout finit. Puis en tout cas, bref, on retourne à l'histoire du chaos, etc. Et du coup, je travaille beaucoup avec Ray, comme je trouve son esthétique très très intéressante, puis très très belle. Et je travaille aussi, pas pour ce projet-là, mais je travaille aussi beaucoup avec un autre artiste vidéo qui s'appelle Guillaume Vallée. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son travail, puis comme j'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer à, et puis concrétiser à chaque fois tous les plans où on se dit, ah, on va faire ça. En tout cas, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant de rajouter aussi dans ces collaborations-là. Moi, je me sens vraiment à l'aise avec... avec les gens en vidéo, et en même temps, tu sais, c'est tellement différent comme métier. Tu vois, comme l'approche est tellement différente. Tu sais, comme en danse, là, on fait un one shot, puis comme tu vois, comme le soir du spectacle, c'est comme tu donnes tout, puis c'est ce soir-là. Puis alors que pour moi, la vidéo, c'est comme t'as beaucoup plus de temps pour faire des ajustements, etc. Mais par contre, ça reste comme tu sais. C'est pas juste dans la mémoire des gens, tu sais, il y a un support, puis comme une fois que c'est là, comme c'est là, tu vois. Mm-hmm. Fait, du coup, ces paramètres-là font que le travail est vraiment différent, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est ça, et aussi en. Ouais, non, c'est ça. Donc, pour rappeler à tout le monde, on parlait avec Kim Sancho, qui était chorégraphe pour la pièce Black and Scholl 1973, qui avait été présentée dans le cadre du festival Quartier Danse le 13 septembre 2015. Donc, Kim San également, que vous allez voir si vous passez par sur 303, parce que tu es là pas mal chaque jour de la semaine. Donc, Kim San, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Donc, avant qu'on se quitte, Kim San, est-ce que tu avais un mot de la fin? Oui. Alors, je voulais remercier déjà les interprètes, donc Maud Laurent, Raquel Lanzini, Nicolas Patry. Puis je travaillais avec d'autres interprètes avant, qui n'étaient pas là pour Quartier Danse, qui étaient Vincent Nicolas Provencher et Tiffany Boffa. Puis on a eu aussi beaucoup d'aide, notamment pour Regard Extérieur, donc de Myriam Genestier. Il y a Thierry Huard qui est venu nous voir, puis Lynn Snelling aussi, qui m'a donné beaucoup de retours, et puis c'est ça. Merci beaucoup, Kim San. Merci. The Dirty Feet Podcast is produced and hosted by Produit et animé par Allison Burns, J.D. Papillon et Stéphanie Morin-Robert. We have Mainline Theatre, Montreal Improv Theatre and Paula Flalo to thank. Merci pour le soutien. Vous pouvez visiter notre site web, écouter les derniers épisodes, lire notre blog, nous aimer sur Facebook et nous suivre sur Twitter. You can visit our website, listen to past episodes, read our blog, like us on Facebook and follow us on Twitter. Show us some love and help us spread the word. Montrez-nous un peu d'amour et aidez-nous à passer le mot.